bonjour une information de taille et quelle information avant d'entamer notre sujet du jour la commémoration du 8 mai 45 je vous signale un article sur la question paru sur le quotidien d'Oran signé par El Yazid VIP qui nous apprend que la loi algérienne ne reconnaît pas le statut de shohada aux victimes du 8 mai 45. Voilà, c'est dit. Nous commémorons donc aujourd'hui le 70e anniversaire, jour pour jour, des massacres du 8 mai 1945 dans l'Est algérien, à Sétif, Gelma, Kharata et d'autres villes et villages qui ont connu la folie meurtrière qui allait entrer dans l'histoire de l'homme, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'est Toujours pas reconnu par le pays qu'il a perpétré par sa propre armée, mais aussi par des milices qu'il a armées. Un carnage de masse qui se chiffrera en dizaines de milliers de victimes. 45 000 morts selon l'État algérien. Entre 20 000 et 30 000 selon l'historien Jean-Louis Planche. Un chiffre qui sonnera comme un tournant décisif dans l'historiquement correct. Et depuis peu, le chiffre catégorique. De 30 000 morts, selon l'historien Sadr Selim. Il nous expliquera lui-même comment il a été convaincu que c'est ce chiffre qui est le bon, si l'on peut dire. Le 8 mai 1945, à Sétif, les responsables locaux du PPA ont décidé de participer au défilé officiel de la victoire sur l'Allemagne nazie organisée par les autorités françaises de l'époque. L'ambiance est électrique parce que des chefs de file parmi les colons de Sitif ont décidé de mettre à profit cette journée pour régler le compte du maire de cette ville qui gênait leur trafic. Soudain, en plein boulevard central de Sitif, des militants du carré PPA déploient une banderole sur laquelle sont écrites en grosses lettres noires Libérez les prisonniers politiques. Des slogans indépendantistes fusent. Au même moment, Sahel, Sahel, Bouzid, scout et militant PPA, brandit le drapeau algérien. Un commissaire de police, pistolet au poing, se rue sur lui et tente de lui arracher le drapeau. échafouré, échauffourée sans suivi. Le commissaire tire à bout portant sur le jeune homme et le tue sur le coup. Les colons qui étaient embusqués dans leur balcon de la rue de France commencèrent à tirer. Indistinctement sur les manifestants PPA, puis sur tous musulmans qui se trouvaient dans leur ligne de feu. Un véhicule de la gendarmerie fonça sur les manifestants musulmans, parmi lesquels se trouvaient de jeunes enfants, des scouts. La rue était jonchée de cadavres. Puis les Algériens réagirent. Des Européens sont à leur tour tués. L'engrenage est enclenché. C'est la folie meurtrière, un carnage de masse. Partout, des cadavres, des charniers, des fosses communes ou des camions déversent des monceaux d'hommes, de femmes et d'enfants. Le premier jour, les autorités compteront 10 000 morts parmi les musulmans. Les massacres vont durer sept longues semaines avant de commencer à diminuer d'intensité. Du 8 mai au 26 juin, selon les chiffres recueillis par Jean-Louis Planche dans son livre « Sétif 1945 », il y aurait eu entre 20 000 et 30 000 morts parmi les musulmans contre 102 Européens. Les tueries se poursuivront bien, avant, bien après pardon, le 26 juin jusqu'en septembre dans l'impunité. Mais ces carnages de masse n'auront pas été le seul fait des milices de pieds noirs. L'armée française y a largement contribué jusqu'à faire bombarder des populations par son aviation et sa marine. Le 15 mai 1945, une semaine après le déclenchement des, de, de la tuerie, le général Raymond Duval, qui était responsable militaire de la région, a lancé un ordre à ses troupes aussi laconique qu'il était lourd de sens. Je le cite, agir vite et fort pour juguler l'insurrection. Fin de citation. Les autorités civiles locales ont elles aussi largement contribué au massacre puisque ce sont elles qui ont armé les milices et qui les ont couvertes. Lors de sa récente visite en Algérie il y a quelques jours à Sétif plus précisément pour participer à la commémoration du 8 mai 45, Jean-Marie Todeschini, secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, a qualifié sa visite de, je le cite, geste fort et symbolique. Fin de citation. Il a écrit ceci sur le livre d'or du musée de Sitif. Je le cite. Ma présence dit la reconnaissance par la France des souffrances endurées. Et elle rend hommage aux victimes algériennes et européennes de Sitif Gelma-Kharata. Fin de citation. Un égal hommage à 30 000 morts d'un côté et 129 morts de l'autre. Voilà ce qu'aura été ce geste fort et symbolique pompeusement déclamé par le secrétaire d'État français. Circulez, il n'y a rien à voir. Les Algériens attendaient une vraie reconnaissance pour ce 70e anniversaire avec des mots forts, parlants, qui puissent rendre un tant soit peu justice aux victimes. Ils attendaient que le représentant de la France prononce... Les mots de massacre de masse, de tuerie organisée, de bombardement de villages entiers, de responsabilité directe de l'armée et du gouvernement français, de l'armement des milices. Au lieu de cela, le secrétaire d'État se contente de rendre hommage de façon équidistante à la centaine de victimes d'Européens et aux dizaines de milliers de victimes musulmanes. En réaction, le régime algérien, qui avait pourtant l'habitude de ruer dans les brancards juste pour la galerie, ne bouge pas une oreille. Il se contente d'offrir un périple touristique au secrétaire d'État. Avec nous aujourd'hui, pour évoquer ces terribles événements et essayer de comprendre, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Sadr Selem et Jean-Louis Planche, tous deux historiens, tous deux auteurs de livres magistraux sur la question. Celui de Jean-Louis Planche, Cétif 1945, que je vous recommande vivement, a été le déclic intellectuel qui a brisé le tabou des chiffres, puisqu'avant lui, l'historiquement correct français n'avait jamais osé faire une telle évaluation sur des bases documentaires incontestables entre 20 000 et 30 000 morts. Nous allons commencer par recevoir Sadr puisqu'il a un train à prendre et qu'il ne pourra pas rester avec nous durant toute l'émission. Sad merci d'être avec nous. Sad Oui. Euh, merci d'être avec nous. Donc euh, vous êtes à Rennes en ce moment où vous avez assisté oui. à un rassemblement citoyen organisé par le collectif l'autre 8 mai 1945. Dites-en nous plus, s'il vous plaît. Euh, ben, le, après le recueillement, le témoignage, on a eu une conférence, là je sors à l'instant où euh, j'ai réservé le, le scoop là de, que j'ai trouvé dans les archives de la présidence de la République, euh, une note euh, qui dit ⁇ Nous n'avons déclaré que 1200 morts à l'époque, mais nous savions qu'il y avait au moins 30 000 morts. ⁇ Et donc, euh, comme c'est cette association qui, à Rennes, a commencé cette célébration euh, il y a 15 ans, euh, contre Vons et marées mais maintenant il y avait Madame la, la maire et les, les élus locaux, là, qui qui participent à cette réunion, donc euh, euh, ça commence à faire l'unanimité. Et euh, ce, cette note, euh, relue par le secrétaire général de la présidence de la République, et qui a décidé de la faire lire par le président de la République, euh, donc ça, ça, ça montre son sérieux, oui. euh, montre que les estimations de Jean-Luc Planche, qui dit euh, c'est entre 20 et 30 000 morts, étaient, euh, étaient fondées, et même on peut aller un peu au-delà qu'il dit au moins 30 000 morts. Très bien. Très bien. Et, ça euh, 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 ne euh... suffit pas pour arrêter les recherches. Oui. Parce qu'on a une historiquement correcte qui a été introduite par euh, Charles-André Julien avec sa stature de professeur anticolonialiste ami de Châteignot. Il a accepté d'aller de 1500 à 6000. Euh, il a figé la recherche jusqu'à maintenant en disant le, le professeur Charles-André Julien a dit ce qu'il fallait dire. Et d'un autre côté, le, le mythe de l'insurrection euh, qui, euh, qui a été accrédité en utilisant certaines déclarations de Farhat Abbas, lui-même, oui. qui a prétendu qu'il y avait des radicaux messalistes. ça on maintenant la preuve que non. Euh, ben Bella a dit qu'ils ont euh, combattu à Cassino où il y avait 80% de musulmans. Donc célébrer le. Le, la victoire contre le nazisme, c'est l'affaire des musulmans. Et comme il y a eu une manifestation le 1er mai à Alger, qui a fait trois morts à cause du drapeau algérien, oui. et les, les manifestations de Gelma et de Sétif étaient autorisées, mais on s'est mis à tirer au vu du drapeau. Exact. Et non pas parce qu'il y avait une insurrection. Euh, Sadr je me permets de vous interrompre. Euh, oui. euh, avant de oui. revenir à, à ces travaux que vous venez d'entreprendre sur la base d'archives, sur une synthèse… Euh, adressé au chef de l'État euh, sur euh, des chiffres entre 45 et 55. J'aimerais d'abord vous poser une question. Euh, nous, nous, Aujourd'hui, euh, alors que nous euh, déplorons la non-reconnaissance de cette tragédie par la France, est-ce que vous saviez que l'État algérien ne reconnaît pas la qualité de Chouhada à ceux qui sont tombés le 8 mai 1945 euh, bon, L'État algérien, le, il mérite une émission à lui tout seul. Oui. Euh, mais, mais moi, je sais que. Le... Et vénal. Euh, Jean-Louis Planche, merci infiniment de nous avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci, Sadr En espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Merci. Salaam alaikum.